Merde. Il y avait le jeu. Salut la pièce contigue du mariage. Je vais me cacher dans l'ombre, je peux encore avec café, bisous. Bisous. Bisous café. Putain, j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme. Je cache pas que j'ai un peu la flemme. En fait, heureusement que j'y vais pas pour faire une perf. Y aller pour faire une perf, c'est complètement débile d'ailleurs. Y aller dans l'esprit de faire une perf, sachant les aliens qu'il y a à côté. T'es là en mode bisous. Et après, faut qu'on arrive à bien intégrer Minecraft là. Merde. Merde. C'est tant que le double vert aujourd'hui. Ah mais regardez, il y a des mecs, ils ont fait ça en 1-0-1. Je comprends même pas les strats. Je comprends même pas les strats de la map. Hein. Comment je peux rater le saut alors que personne ne le rate? Dommage. Ah, j'espère que j'aurai pas d'expert. Il va débarquer sur le chat en mode ouah, tu fais de la merde. Bon, ça c'est raté. J'arrive trop lentement là. C'est mieux passé qu'avant. Oh non. Ah. Ça, je crois pas que ça passera. Regarde peut-être la run d'un autre pour savoir. Mais les trages, je les vois en vrai. En vrai, ça se passe déjà beaucoup mieux qu'hier. Oh le... Ce début-là, nickel. Ouais, mais tu sais que j'ai beaucoup regardé parce qu'hier, j'étais en galère. Hier, je l'ai quand même testé, là, truc. Hein. Bon, ça, malheureusement, je suis pas trop... ouais. Je suis pas trop confiant. On va regarder quand même. Voilà. On va regarder la run de quelqu'un d'autre. Voilà. On va regarder le top 1. Là. Qu'est-ce qu'il fait, le top 1 ? Ouais, jusqu'ici tout va bien. Et il commence à... Ah oui, putain, comment il frôle le truc du bas. Chpunk, 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 chpunk. Hop. La dirt. Les trom-trom. Oh, ça, jamais j'arriverai à le passer correct. Donc là, il essaye de suivre le bordereau rouge à gauche. Puis le bordereau rouge à droite. Ok. Oh la minimisation de airtime. Ça jamais j'y arrive. Ça jamais j'y arrive. Ok, donc la strat maison qu'il y avait hier soir là, ça passera pas. Ouais, c'est ça. Allez, bisous. Attendez.
Je vais quand même voir les, voilà, les top 1 là. Dommage. Pardon? Merde. Ah! Eh, sous l'eau, ça tombe tellement bizarre. Je vous jure, hein. Pour un débutant, c'est contre-intuitif de ouf, l'eau. Ok, ça va. Oh non! Ah bah non! Attendez. C'est où? Ah, j'ai pas redémarré, merde. Ah, zut, ça c'est trop l'extérieur. Zara disait hier que le cut double rebond sur l'eau c'était pas forcément ouf. Sinon, on s'en fout. Ah non, mais moi c'est pas le truc que je vais faire. Bah j'ai genre voir mieux safe les tuyaux. Clairement. Moi je veux pas. En fait je veux un truc que j'arrive à régu. Sinon pour moi en tant que débutant c'est pas ouf. Mais pourquoi j'ai galéré autant là? C'est comme si j'avais commencé à. Oh merde. Elle est dure cette map. Hein. En fait, si t'as déjà commencé à glisser avant, je crois que c'est un peu la merde. Hein. Merde, j'ai touché. Bon après, il va bien falloir que j'avance quand même dans la map au bout d'un moment. Genre là, j'ai rien su faire. Enlever les fantômes pour avoir moins l'impression. Ouais, c'est un peu chiant. Attendez, je vais changer la musique parce que c'est un peu vénère aussi. Ça va être compliqué. Hein. Enfin, je trouve que le niveau de map est presque trop dur. Ah, je peux peut-être cacher mes PB à moi. Regarde, là, j'ai déjà commencé à glisser en fait. Je comprends pas pourquoi. Attendez, je peux enlever mes PB à moi là? J'ai pas compris pourquoi je peux pas enlever mes PB à moi. Merde. Ok, ça va.
Oh non! Oh, ça dégoûte, ça! Putain! Tu l'as passé le saut? Ouais, mais en fait, c'est vraiment le début plastique de merde, là, qui est... Oh, alors peut-être. Bon, alors ça, jamais, jamais je vous fais un airtime correct. Hein. J'annonce, hein. Ça, je sais même pas où faut aller. Et ben voilà. On va au moins finir. Mais putain, j'arrive 10 000 fois trop vite. Comment ça glisse? Ah, dommage. Oh, une 30, incroyable. Top 424. Putain, on s'est déjà amélioré là. Oh, à 583, on avait les médailles d'argent. On va affronter l'argent. PB, c'est un PB. 30 secondes derrière les premiers, évidemment. Mais PB quand même. Hop là, bisous. Zera avait dit le plastique avec l'eau. Si on lâche l'accélérateur, on est récompensé. J'ai été récompensé. Ah, dommage. Ok. Ah, non. Ah, il faut peut-être que je fasse un stab. Ça ne fonctionne pas beaucoup. Bah non. Salut Neilig. Quelle est la date de la Zilan? Je sais pas. Le mois prochain. 12, 13, 14, non? C'est pas ça? Oh non! Moi, faut que j'arrive un jour plus tôt, je crois. Oh non! Pourquoi je fais 360 là? Oh non. Oh non, c'était bien. Oh le PB. Oh le PB, une 22. Top 40 Île-de-France, incroyable. Let's go le PB.
Allez, on va affronter l'or, on est top 329 monde! Incroyable! Oh, le airtime dégueulasse. Oh, le top. Ah non! Oh non! Oh non! Allez. Ah putain, dégueulasse. Mon loot a 30 secondes pour finir après le premier pour choper des points pendant la LAN. Et beaucoup vont pas finir. Ouais, mais sachant que... En fait, c'est pour ça que moi, ma régu... Ma régu, elle doit être genre... Dans l'idée, maximum 15 secondes après les tout premiers. Mon objectif de régu sur TM, c'est ça. Oh, ça, ça pue, ça. Oh, ça, ça pue. Oh, ça pue. Ah oui, ça pue beaucoup, même. C'est quel jeu que tu maîtrises le moins pour le moment? Bah, objectivement, un peu tous, en fait. Hein. Oh, regardez-moi ce airtime de compétition. Di compétition, comme on dit. C'est maîtrisé, ça. Plouf. Putain, j'ai fait une 22, je ferai jamais mieux. En fait, objectivement, il n'y a pas... Enfin, si on parle de maîtrise pure, Trackmania est un jeu que je ne maîtrise pas du tout. Oh, ça, ça pue, ça. Oh, ça, ça pue beaucoup. Oh, ça va à peu près. On va passer à droite, hein. Ouais, bah, on passera pas, en fait, hein. Si TM sort souvent dans les rounds, tac, va raser la lame, donc objectivement, ce serait bof. Oh merde, putain, j'ai full touché le rebord. En fait, à un moment où je vais commencer à bien connaître les... à bien connaître les maps, bah je pourrais pas reload en fait. Le but va juste être de finir la map. Parce que pendant la compétition, c'est ça qui va arriver en fait. Hein.
C'est baisé. C'est full baisé. Puis dans les maps dans le temps imparti contre des aliens, c'est une victoire. Bon, en fait, ça dépend. Parce que... entre guillemets, faudrait que ce soit équitable à tout le monde. Et si d'un côté, t'as une poule où t'as un mec qui finit les maps en une minute, et de l'autre côté, en fait, faudrait qu'il y ait au moins un alien qui tape en une minute dans chaque truc, sinon... enfin, vous voyez ce que je veux dire? T'en as un qui a grave l'occasion de marquer des points d'un côté et pas du tout. Et l'autre, pas du tout. Si t'as un mec qui finit en une minute, c'est-à-dire qu'au minimum... faut faire une minute 30. Au maximum, faire une minute 30, tu vois. Merde. Salut Moira. Après, moi, je vous le dis, je le répète. Hein. Je vais pas là-bas pour... pourquoi je glisse déjà? Je vais pas là-bas pour gagner. On va les couilles. Je veux gagner l'expérience d'avoir fait une Zilan, c'est tout. Oh non. C'est pas si pire. J'aime trop que la technique de Néodrit, elle fonctionne bien sur la dirt. Ah putain, t'es grand mort toi. Uf. Oh, le airtime de compète là. Ah, faut pas freiner en fait. Ici faut pas freiner. C'est Winflash. C'est Trackmania. On joue un Trackmania. Oh, ça c'était un beau départ. Oh non, plié. Un jeu comme Hot Wheels l'année dernière, c'était top. Bah, c'est au moins, c'est que personne connaissait ce truc-là, tu vois. Et tu peux pas arriver à chaque fois que des bangers que personne ne connaît. Je suis full sur le côté. Ça va à peu près. Oh non. Ah. Allez, plouf. Putain, quelle horreur. Quelle horreur. Pourquoi je glisse? Je sais même pas pourquoi je glisse. Il y a eu Trials Rising aussi, c'était cool. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Trop bien. Ils ont mis Northgard cette année. Ah oui, si ça avait... si ça avait été que des jeux qui avaient déjà été train les années précédentes et tout. Ça aurait été compliqué en fait, vu que t'aurais déjà tous les participants, les gagnants des années précédentes qui seraient arrivés en mode bon, easy, je connais déjà tous les jeux. J'ai déjà un milliard d'heures de train sur tous les jeux en fait. C'est pas mal, ok, 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 difficile, difficile, difficile. On va se reprendre peut-être. Peut-être pas du tout. Putain, mais trop dur ça. Trop dur. Difficile.
difficile, difficile. Oh, j'aurais dû stab. Je suis pas au bon endroit. Oh, si j'étais au bon endroit, incroyable! Incroyable move! Oh non! C'est bon, ça passe. Et l'herbe, c'est trop dur. Mais vraiment? C'est quoi cette no luck de ouf? J'ai l'impression qu'il faut pas freiner. Et le tocard, ça vaut quoi? Ah. Et si je tentais le truc magique des professionnels là? Bonjour, c'est pour l'arrivée? Ah mais lui, il arrive direct avant en fait. On peut se faire un truc comme ça, tu vois. Ah non, trop tard. Genre eux ils arrivent vraiment genre. Ah bah là c'est plouf. Ah là c'est plouf aussi. Compliqué. Ouf. J'ai regardé un match Valo hier, j'ai pas vu de diff avec ton gameplay. C'est du foutage de gueule ça, je pense. En vrai. En vrai. Je pense. Salut Aurel, comment ça se passe cette training? Je vois que ça ponce. Écoute, hé. Ça se passe. Et en vrai, c'est le principal. Ah bâtard. Écoute, le training il se passe, tu vois. Et en vrai, c'est déjà une expérience en soi. Le plus important c'est de kiffer. Ouais, moi je kifferais l'événement, tu vois. Là, en l'état actuel, est-ce que je kiffe la map? C'est une map. Et ça, déjà. Peut pas lui retirer, c'est que c'est une carte, elle a le mérite d'exister. Oh, vous avez vu comment j'ai stab. Ah, vous avez vu comment j'ai plongé dans l'eau. Salut monsieur Rose. Oh, c'était beau ça. Si seulement j'avais pu faire ça sur ma run là. Oh non. Trop vite ça. Ah bah plouf. Je m'entraîne à la fin là. Oh non plouf. Attendez, j'ai un bon départ de tuyau là. Je vais m'entraîner sur la fin là. En fait, je trouve que les trucs sur les côtés, c'est trop dur. Parce que j'arrive pas à rouler. Putain, mais c'est dur ça. Mais pourquoi j'y arrive pas? J'y arrivais il y a 30 secondes. Finir sur la gauche, c'est plus simple. Non, c'est plus dur. Jouer la map avant de dire c'est plus simple. Extrêmement dur. Ça, c'est plus facile. Parce qu'en fait, si j'arrive en tortue, c'est baisé.
Pourquoi je glisse? Ça y est. Je commence à être trigger. Et là, je glisse pas. Là, le start est propre. Ça, ça va. Jusqu'ici, ça va. Je me débrouille pas trop mal. Bon, la glace, c'est pas vraiment ça. C'est même pas ça du tout. Bon, si je suis baisé, que je suis sur la droite, malheureusement, vaut mieux le faire comme ça en fait. Si tu vois que t'as un truc qui est vraiment dégueulasse, tu vas comme ça, et puis bisous. Faut avoir le réflexe de repartir en fait. Oh merde, j'aurais pas dû stab, ça passait. Je veux pas maxit, mais faut mieux jouer, hein. Non mais voilà, me dites pas des trucs genre ouais ça c'est plus simple et tout, tu vas voir. Alors que objectivement ça ne l'est pas. Objectivement c'est ça ne l'est pas. Me dire des trucs genre alors que je suis full débutant au jeu, ça c'est plus simple. Ça va juste me trigger en fait, je vous le dis d'avance. Hein. Si vous voulez pas que je vous tombe sur le coin du pif et que je commence à vous enchaîner. J'ai moins de 10 heures au jeu. Hein. T'es le meilleur des débutants, mon nom. Ça, c'est sympa, ça. J'avais un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule, mais c'est sympa. Putain, là, j'arrive, je glisse direct. Reset mental en regardant la run du top 1. On peut reset mental. Le plus simple, c'est de faire comme tu veux. Jouer avec tes pieds, c'est plus simple. Ouais. Donc ça, on essaye de gratter maintenant un peu. Punch, 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 ça on y arrive. Pas tout le temps. Ok, il est déjà en drift à la sortie du petit trou. Hop. Jusqu'ici, ça va. Ça va en maîtrise. Ah, il maîtrise trop bien la glace. Ça, j'ai réussi à le faire une fois. Lui, il arrive, il a déjà la speed, il a tout ça. Oh, oh là 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 là. Et alors là, comment il fait là? Ah, il contrôle, en fait. Il sait jouer au jeu. Lui, il sait jouer au jeu. Ah, et puis là, laisse tomber. Ça, la fin, je ferai jamais ça. La fin, c'est une certitude que je ferai jamais. Pourquoi je glisse? En fait, faut quasiment aller tout droit. What? C'est possible ça? Ouais. La fin est RNG de fou. Si t'as pas la bonne trage dès le début, c'est plié. Y'a un tuyau sur cette map, moi je l'ai pas vu. Non mais c'est trop ça. Là c'est les joueurs ultra pro. Après je sais même pas si c'est des gens qui participent à la Zolan. Pourquoi je glisse, sérieux? Je glisse déjà en fait, c'est que j'arrive en travers.
J'ai l'impression que pour le premier CP, il faut une trajectoire pixel pour avoir une ligne droite jusqu'au mur de plastique. Ouais, c'est exactement ça. En fait, après, c'est quitte à rouler moins vite, hein. C'est pas très grave. Hein. Oh non! J'ai touché. Voilà, j'ai plus du tout de vitesse. Je veux savoir pourquoi tu driftes. Je sais pas, je fais de la merde, je suppose. Moi, je veux bien savoir, mais c'est que j'arrive de travers. À chaque fois, j'arrive de travers quand je glisse. Je tourne. Oh merde! Je suis au bon endroit? Ouais, ça va. Faut mieux y aller à 2 à l'heure ici en fait. Putain, mais gros con va! Ok, ça va. C'est presque si c'est plus worse de... Bah non, en fait. Merde. Merde. Putain, je voulais le dernier CP. Bon. Sans les pneus mouillés, tu pourrais le rattraper avec plus compliqué. En gros, la mécanique des pneus mouillés, la réception directement en drift... Le combo pneu mouillé fait que tu glisses. Je comprends pas. Des fois j'ai quand même les pneus tournés et tout et je glisse pas en fait. Putain. C'est horrible. L'appel est horrible. Mais t'es grand mort, j'étais tout droit. On va crever. Oh là là. Ça c'est pas mal. Des fois j'y arrive. Ça commence à craquer. Non, non, ça va, ça va. Oh, t'es grand mort. Non, je préfère aller tranquille, hein. Oh, trop bien le airtime. Incroyable le airtime. J'aurais dû stab. Ok. On va faire un PB là-dessus. Pas du tout. C'est pas possible, j'arrive. Connard. Tinevus. On se va faire la rage. Ouais, je la trouve pas très débutant friendly, mais bon. C'est fait pour... récompenser le training. T'as trop de drift dans la terre et tu montes trop sur la deuxième partie de la glace. Simple observation, nos juges. J'ai rien compris.
Salut Nivus. Trop le seul. Oh là, on est pas mal. Ok. Ok, pas mal ça. Pas mal. Pas mal ça. Pas mal, pas trop de hard time là. On stab. Hop, on est bien. Oh non, 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 non. Oh, c'était bien ça. Putain, j'ai trop le seum. On va me dire, ah, Nidia, tu es allé à gauche, tu es allé à droite! Et vous faire foutre, ok? Je m'en fous, je suis bien avancé, j'y reste. Dans ma tête, je suis en 1-20. J'avoue, comme ça, ça peut le faire. Mais il faut stab très vite en fait. Non, il y a à droite ça peut le faire, non? Oh, à droite ça peut grave le faire en fait. À droite ça peut le faire. Parce qu'en fait je suis déjà dans l'angle avec le truc qui essaye de me faire tourner. Sur la gauche là. Un peu trop rapide. Ou alors à gauche. Oh non. Non, ça c'est nul. Bah j'arrive, on me dit d'aller me faire foutre, super. Bonjour avant quand même. En fait ça, regardez, à chaque fois que j'ai testé un truc comme ça avant, ça me faisait faire des loopings à la con. Alors que là... En vrai, là, il y a moyen de moyenner un truc. Là. Mais ça me paraît trop... Connard. Ouais, non, mais à chaque fois, ça me fait faire des loopings à la con. Là. Ok. C'est horrible en fait. Je peux finir sur le toit. Je sais pas comment on fait moi. Les trucs de tortue, les machins et tout là. Vous me prenez pour un fifou qui sait jouer au jeu, mais moi, je sais pas jouer au jeu. Non, mais j'y suis, j'y reste. Hein. Ok. Il y a moyen de moyenner un truc en vrai. Si je stabilise très vite après avoir décollé. Il y a moyen de moyenner un truc. D'ailleurs, c'est moi, celui au fond droit. Tu peux pas rentrer dedans car il est bombé. Fermatif. Zera a annoncé que toutes les arrivées n'étaient pas forcément faites pour être utilisées. En vrai, je prendrai la première que j'aurai à dispo. Hein. Ah là c'est plouf. On verra clairement dit que toutes les arrivées n'étaient pas faites pour être utilisées. Bisous. Allez. Et vous allez voir l'autre map, j'ai fait 1-11 hier. J'étais content. Au moment où j'ai fait 1-11 là.
Oh non, 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 non. Oh, cette durte. La durte. Ok, là, on est bien. Oh, je crois que je suis pas assez loin. Je suis pas assez loin. Ah si, ça va. À peu près. Vous avez vu, j'ai stab. Vous avez vu, j'ai stab. Ce passage-là, c'est ma némésis. J'ai pas stab. Alors, on peut finir sur le dos, là? On peut finir sur le dos ou pas, là? Comment on finit sur votre putain de dos, là? Hein? 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 Comment on fait, là? Comment on fait, là? Ouais, on peut finir sur le dos, mon gros cul. Mon cul! Tu devrais peut-être... Surtout partout, sur celle du fond. J'ai rien compris, Nick. Oups. Un rugby. Je suis sur le cul, là. Je suis sur le cul, comment je fais pour finir sur le cul, là? Putain, là, je suis en drift, bordel de merde. J'arrive, mon cul. Ah bah d'accord. Ah ouais, non, mais aujourd'hui, ça va être florilège. Je vous dis, aujourd'hui, ça va être florilège. Ok. Prendre bien à gauche en fait avant de s'engager là. Pas mal. Oh non, non. Oh non, connard. Je me casse. Je suis déjà en drift là. Ma vie en drift en fait. Bah non, reste. Non, je me casse là. Reset mental. Je vous jure. Je me nerve. Ah, alors vous voyez le néo drift là? On sait faire les néo drift hein. Putain de merde. Envoyez un pitching ball de prévention à Mono pour possiblement sauver des manettes. Vous êtes pas cool. Oh, langue dégueulasse. Le reset mental, ça va surtout être que je vais exit la map. Là, le drift. Oh, le beau drift. Incroyable. La belle drift toon.
La belle Driftoon, ça. Oh, connard. Ah, gros con. Voilà. Là, on est bien, là. Hop. Je reste solide. Je vous jure, je reste solide. Je vais attraper une roue, là. Ok, ça va. En vrai, ce jeu est simple à regarder. C'est exactement ce que je me dis. Le jeu est simple à regarder. Je vous jure, dans moins de deux semaines, je pense, enfin, moins d'une semaine même, je pense que je reçois des messages d'insultes en DM en mode putain, mais pourquoi il y a un mec aussi nul qui joue au jeu? Je suis sûr que je vais recevoir des messages en mode mérite pas ta place à l'as de l'an. 100%. Mais genre j'étais de côté là. Ça c'est bâtard ça. Y'a vraiment des gens qui font ça. Je pense qu'il y en a qui le font. Comment je peux arriver sur la bonne trage avec ça? Oh là, la trage, elle est pas dégueu. La trage est complètement dégueulasse. Oh, quoique, ça le fait. C'est bizarre avec le plastique. Merde. Salut Gab. Oh, c'est trop à droite ça. Ah, dommage, petit 3-6 là sur la route là. Acheter mes baguettes, mon croissant et mon 3-6. Je vous jure, à chaque fois que je me jette comme ça, là, ça me fait faire des roulettes. Le plus simple, c'est sur la gauche. Sont dégueulasses, c'est pas grave. Pas trop sur la droite, voilà. N'hésite pas à lâcher l'accélérateur s'il le faut. Sur la glace. Ah. Caca ça. Ça c'est caca.
Et voilà. Petite marche arrière là. En fait, si on freine ou si on accélère sur la l'herbe, c'est bizarre. Trop bien en fait. Faut la passer sans accélérer, sans freiner. C'est pas mal. Ok. Chouette. C'était pas mal. Ça, c'était pas mal du tout. Putain, mais Game Run, vraiment, j'arrive plein de mal. Hein. Du tout ça. Oh non. Non, ça aurait pu être un meilleur temps. Ah, j'ai trop. J'ai trop aussi fort. Je comprends pas en fait quand j'arrive vraiment trop vite là. C'est presque, il faut que je ralentisse de ouf là. Je portais la poche, je crois, je me tais. On m'a hint. Oh no! Bobo. Ah, ça a fait chpouk. Ça a fait chpouk. Et là, lui va prendre une accélération, genre de fifou. Ouah. Bonjour, pardon. J'ai tellement jinx. Je me suis fait jinx, hein. Ça c'est bon. Je vais mettre comme ça, tiens. C'est incroyable ça. Ah bah non, en fait. J'avais peut-être des meilleurs trages en restant en vue comme ça. Dommage. Ah merde! Ah là, c'est plié. Hein. Là, je fais la tortue là, mais. Ça fonctionne pas!
putain, j'ai touché. J'ai micro-touché, putain. Non, le cul. Je l'ai même pas en drift. C'est faux. Oh non, c'est dégueulasse ça. Comment je peux le rater ça? Putain, mais pourquoi je le rate? Genre j'arrive avec trop de vitesse? Je comprends pas, d'habitude je le rate pas. Et ouais, avec une petite release, ça passe très bien. Bon, alors ça, j'ai toujours pas compris comment l'appréhender. Hein. Je fais de la foule merde. Je veux comprendre cette putain de trage. Que même en arrivant comme ça, en fait, je suis baisé. Ça me saoule. On va peut-être aller un peu sur l'autre map vite fait. Puis... Qualifie glaçon. Il y a une autre map? Pourquoi j'ai pas de... Oh merde, j'ai touché. Alors en fait j'ai regardé la vidéo. Merci le tocard. Vous êtes trop mimes avec moi. Vous savez que je suis nul, vous savez que j'y vais pas pour perf. Mais genre, je veux pas savoir, vous savez que je veux pas savoir. Mais je sais que si je regarde, je sais que vous êtes des centaines à regarder le nulos s'entraîner juste pour aller faire une perf de nulos. Mais je vais bien rigoler. Oh non! Parce que regardez, en fait, j'ai bien regardé d'ailleurs, un gros merci à Wingobert. Bon, même si bon, je le connais pas. Même si je le connais pas du tout. Hein. Mais qui a vraiment fait une vidéo explication. Qui a fait une vidéo explication de... La run de nul, enfin, en gros, c'est, il explique le pourquoi du comment des trages et surtout les bons réflexes à avoir. Même sur une run nulle, enfin, même sur une run débutante, tu vois. Et genre là, il faut pas prendre de risque. Tu vas là, tranquille, si jamais vraiment t'as pas assez de vitesse. Et surtout, il fait, là, tu stab. Hop là, voilà, là, tu perds pas de vitesse. Hop là, tu stab. Bon là, j'ai tapé, mais grosso merdo. T'arrives là, paf, tu stab. Hop. Là, je stab aussi. Et je pense que je vais pouvoir aller le chercher, mon putain de cut. Hein. Mon putain de cut, je vais pouvoir aller le chercher si j'arrive à bien stab. Je
pense que ça faisait partie des choses qui me manquaient, tu vois. Il nous manque encore la speed. Ils arrivent avec des speeds de ouf là-dedans. Déjà, rien que la stab, ça change quand même pas mal de choses. Je l'ai pas là. Ah si. Oh, on est pas loin. On est vraiment pas loin. Faut vraiment que j'apprenne à prendre ce virage à la con juste avant. Alors par contre, eux, ils font un truc où ils arrivent à charger la map un peu comme bon leur semble et repartir d'un TP. J'avoue que ça, j'aimerais bien savoir le faire. J'y arriverai pas. On croit avant-temps au dégéné de progression. Ah, je sais pas, là, je suis... Je sens que là, c'est... Bah, c'est les années d'expérience. T'as des joueurs, ils jouent depuis des années. Hein. Ils s'en battent les couilles. Pour eux, ça, c'est du... Ça, c'est de l'eau. Pas forcément être le meilleur, tu vois. Il y en a... Ça, pour eux, c'est de l'eau. J'y arrive plus. Merde. Putain, j'arrive plus le début. Alors là, j'ai même pas compris comment. J'ai même pas compris comment j'ai fait ça. Sûr que j'avais touché. Allez, allez, on y croit. Ça, c'est pas mal. Oh non. Je comprends pas comment j'ai jamais la speed. J'aurais jamais la speed. Ça paraît tellement simple quand il le fait. Merci Krakou pour le 21e mois. 21. Comme ta place à Trackmania. Comment ça? Hein? Salut Lily. Comment ça? Envoyez des robots dance là pour Krakou SVP. Voilà. Comment ça à ma place? Putain!
jamais j'ai assez de vitesse pour ça. Ah, oh, ça me triple saoul. Je sais même pas lui comment il fait son reload là. Comment il arrive à avoir. Ouais, ça me saoule. Oh, oh, bah le vide. Je pense qu'on va passer sur la run de Minecraft. En fait, je pense que Trackmania et Minecraft, c'est vraiment les deux trucs où... En fait, faut assurer un niveau minimum. J'ai toujours pas compris comment il grippait autant de ouf. Oh non, j'ai fait que de la merde. Sur ma trash de fin, j'ai fait que de la merde. Salut Apo. Us. Oh non! Putain, mais pourquoi je l'ai pas? Putain, mais j'aurais jamais la speed. Pourtant, lui, il arrive à faire des trucs où il relaunch et tout. Ça se trouve, je traîne trop au Trackmania. Bah ! Putain, c'est dommage. Ça, c'était pas dégueu. Il y a une meilleure maîtrise qu'avant. Pas trop con en fait là. Oh! Non, j'ai déjà fait une 11. Speedrun de Minecraft, je prépare mes notes. Salut Tipeee, salut Vivi. Non, mais en fait, moi, je veux pas. Conduire seul, en fait. Conduire seul, c'est bien. Ça met pas trop de pression. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Ça va et toi, Vivi?
Dis quelle heure? 11h47. Bientôt midi. Bon, on fait encore quelques runs là-dessus, là. Ah bah oui, ben non, en fait. Donc ça vaccine sur l'heure, là. Salut, Dekiku. Et putain... Pourquoi je tourne pas là? Oh non, bâtard. Ça passera jamais, ça. Avec le cut sur la run d'avant, j'étais tellement bien. J'avais plus de 2 secondes, ça m'a fait gratter 2 secondes. Oh! Une 12-371. Bon, c'est pas mon PB. C'est pas mal. Là, on commence à avoir des trucs où... C'est pas mon PB, mais... C'est ce truc-là qui m'intéresse, c'est de régler autour de ça, tu vois. Ça, si ça m'arrive en round, je suis obligé de continuer, en fait. Je suis baisé, mais... T'as déjà tellement de retard. Je peux pas cacher mon fantôme. Ça me saoule. Gosse, c'est ton PB, ouais. Comment je fais ça? Y a pas une touche? La touche G. Oh, trop bien, merci. Il m'a changé ma cam, ce con. Quelle est la touche? La touche est G. Au ghost. Je suppose. Pourquoi je pars à droite, là? À gauche, c'est plus simple.
Oh non! J'ai branlé là. Oh, j'ai fait n'importe quoi! J'ai appuyé sur toutes les touches en même temps. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Normalement, il suffit juste d'aller tout droit. Et juste avant de décoller, tu fais un petit coup vers la gauche là. Et tu fais un truc qui est normalement pas trop dégueulasse. Salut YXX, ça vaut quoi? Putain. Oh, c'est pas dégueu ça. Eh ben non, c'est pas mon PB. Mais une 11546. Pas dégueulasse. Hein. Vous voulez que je vous rappelle combien de temps j'ai sur le jeu? Alors peut-être. Non, il n'y aura pas PB. Mais... Hop là, Wingo il dit vous mettez des inputs pour ralentir la. Votre rotation. Ok, là attaque, je stab. Jamais je passe là. Jamais je passe. Ça régule, non, ça régule rien du tout. Malheureusement, ça régule pas grand chose. C'est le problème. En fait, j'ai énormément de mal à faire les cuts là. Merde, j'ai pas stab. Pas les réflexes. Je vais au sport à tout bon courage lockdown. Voilà, c'est n'importe quoi là. Ah, c'est n'importe quoi. Désolé, il n'y a pas d'animation, mais je suis concentré quand même. Ok. Ah, c'est bon, on atterrit bien. Ça, on arrive à peu près à le réguler. Ça jamais ça passe. Mec, pas mal d'heures sur TM, je galère à régler les maps de Zera, c'est infâme. Bon, je dirais pas que c'est infâme, je dirais que c'est. C'est pas noob friendly, c'est pas débutant friendly. Malgré tout ce qu'on peut dire, les maps elles sont pas débutant friendly. Et avec un mois de training, je peux pas faire grand chose. Si t'as déjà joué au jeu par contre. Là il y a moyen de faire un truc. Et ça, c'est ce qu'il faut surtout pas faire.
sais pas si on faisait genre comme ça. Peut-être faut que je re-regarde sa trage. Faut que je regarde la trage c'est où, chez Wingo, parce que il l'explique bien et en plus il n'y a pas la déco. Attends, je pense à vous et je pense à toutes ces personnes qui ont sûrement envie de faire les qualifs de la Zélande et qui avaient envie. Alors moi c'est pas les qualifs. Les meilleurs tips possibles sur cette fameuse map. En tout cas je vais essayer de vous les fournir, ça va être le but. Qualifie glaçon bien sûr. Donc go découvrir cette map. Ouais, moi je trouve plutôt pas mal. Rencontre dans Traconia. On s'en fiche bien sûr, vous sautez à droite. Vous, c'est si pas ça qui m'intéresse. Le petit, du coup, moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est pas plus rapide, ce sera pas plus rapide que de faire le jump. Ok, étape d'après. Le principal, c'est de stab. Stab, c'est très important à cet endroit-là. Parce que si tu stabs pas, t'as le nez qui va vers l'avant et du coup, ta voiture, elle rebondit. Ça, j'ai compris. C'est chiant quand ta voiture, elle rebondit. Donc là, ce que t'as envie de faire, c'est de stab. Comme ça, ta voiture, elle atterrit à plat. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui est bien, si vous y arrivez, de vous mettre légèrement à gauche, puis légèrement à droite. Comme ça, vous orientez votre voiture pour le virage. Et ensuite, vous passez. Ici, du coup, donc diagonale au niveau du jump. Moi, ce que je vous conseillerais, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, c'est que je pense que cette partie-là, elle est super importante d'arriver à enchaîner les deux. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de vitesse. Donc, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise... Non, mais pas besoin de beaucoup de vitesse, je pète mon crâne, en fait. Tu ralentis à cet endroit-là dans les airs, tu reprends l'accélérateur quand tu es sûr, et là, tu te mets bien sur le côté, tu ralentis dans les airs et tu reprends l'accélérateur. Toujours stab. Stab est égal coup de frein, exactement. Ça va faire en sorte que votre atterrissage soit smooth, que vous atterrissiez à plat. Parce que là, typiquement, si je me laisse aller, qu'est-ce qui se passe? Le nez va vers le bas, et avec beaucoup de vitesse, du coup, tu te retrouves à être complètement déstabilisé, alors que si tu stabilises, boum, t'atterris à plat, et tu repars. Ok? Ensuite, on va il sauter à cet endroit-là. Il n'a pas tant de vitesse que ça, en fait. C'est ça qui me termine. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, bien évidemment, vous pouvez sauter ici, mais théoriquement... Je suis pas à l'aise. Là... ce que je suis en train de vous dire juste avant, c'est justement pour réussir toute cette section correctement et faire les différents jumps. Et comme vous pouvez le voir, il y a 280 de vitesse. Juste... Il y a 280. Il y a ces inputs à l'écran, c'est trop bien. Ouais, ça, je sais pas comment on fait, mais... Faut pas toucher le mur. Et forcément, je sais à quel point c'est difficile. Ensuite, les escaliers. Le plus important, ça va être de pas mal s'entraîner. Mais le plus important, c'est d'avoir peu de vitesse. Il faut impérativement... C'est plus la stab et la trage, la vitesse, tu l'as en vrai. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, on se refait 2-3 petites runs vite fait. Et puis après, on verra passer à Minecraft. Sur une seed. Sur une seed de train. Oh, ça va être juste. C'est pas mal. Donc là, j'arrive. Tac. Mais là, je l'ai pas du tout, en fait. J'avais préparé mon petit déjeuner. Ça marche. Oh là là. Ok, donc... Ah, mais putain, maintenant, il y a les potales de merde. Tac. Là, je sais pas s'il stab aussi. En fait, toute la déco, c'est devenu un... C'est devenu une... Un problème en plus. Hein. En fait, il arrive à être complètement... Si je fais ça, il y a moyen. Oh non, merde, j'ai passé le checkpoint. Je peux pas me balader d'un checkpoint à un autre parce que ça me fait chier de devoir recommencer la map juste pour traîner une section.
Il y en a, ils font ça là, ils cliquent sur une touche et ils vont d'un. Ils vont d'un endroit à un autre. Comment je fais ça, moi? Il y en a, je sais que vous savez. Vous savez comment on fait ça. Comment je passe d'un checkpoint à un autre? Moi, je m'en fous, en fait, là, de train le début et tout. Je veux train la partie qui me met dans la sauce. SVP. Si vous savez pas, vous pouvez dire vous savez pas, mais... C'est un peu seul. Je sais pas. Ah, putain. Comment ils font? Y'a pas la touche dans les menus. Il faut installer Open Planet. Pour restart le checkpoint, il faut lancer la map en mode éditeur. What? Juste au Litnaya. Merde. Non, là, je teste des trucs, mais... ça n'a aucun sens. Bon. Bah, tant pis. Faut installer Open Planet. S'il faut installer un truc, je verrai ça en off. Parce que ce serait intéressant pour moi de juste train certaines parties. Dommage. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai pas assez de vitesse. Ah mais... Ça c'est dur aussi. Hein. Si j'arrive à régler une 10, je suis trop content. Enfin une 10. Aux alentours. Je dirais pareil. Mettre la map en favori, télécharger, lancer éditeur de map. Ok. Je verrai ça en off. Il y a toujours les options normalement. Non mais je verrai ça en off tranquille. Bon allez, hop. De toute façon, je vois que je commence à réguler un peu. Voulez-vous quitter? Oui.